Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire des augmentations sur un tricotin géant semi-automatique Prime Maxi. Donc vous pouvez vous mettre sur rond ou à plat, ça fait aucune différence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours laisser 3 crochets de plus que ce que vous voulez faire. Par exemple, si là, on va se mettre sur le bas. Voilà, donc là je monte 5 mailles. 5. Il faut que je laisse de chaque côté suffisamment d'espace pour faire mes augmentations. Sinon, il arrive un moment où ça va bloquer. Donc là, je pars sur 5 mailles. Donc du 20 au 25, j'en ai oublié une. Donc vous faites le montage classique en sautant un crochet sur deux. Donc une fois que vous êtes au pic 25, on va prendre cette base-là, vous revenez en arrière. Donc, vous pouvez mettre sur rond ou sur plat, ça change strictement rien. Votre fil doit toujours être bien tendu. Sinon, vous pouvez sauter des mailles. Et vous revenez en arrière. Jusqu'au 20. Et donc, tac. Vous allez tricoter quelques rangs. Et donc en fait, il faut toujours au moins 3 crochets pour revenir en arrière, comme à plat en fait. Vous voyez, mon fil n'est pas bien tendu, donc je dois toujours le reprendre. Donc vous tricotez plusieurs rangs de 5 pour faire votre base. Et une fois que vous aurez terminé la longueur souhaitée, donc ça c'est à vous de décider, hein, c'est infini, vous pourrez commencer vos augmentations. Je vais faire un peu plus long pour qu'on puisse bien voir. Donc là, mon fil n'était pas assez tendu, donc il ne va pas se prendre. Donc quand c'est comme ça, on est dit pour mieux vous faire voir, quand c'est comme ça, vous le repassez ici et vous tirez, comme ça il sera bien tendu. On va pouvoir commencer les augmentations. Donc, toujours le même système, c'est en aller et venu. Donc, pour l'augmentation, d'habitude, on se prend dans le pic 20 et on fait nos allées et venues jusqu'au 25, 20, 25, 20, 25. Donc là, on va aller 19, 18, 17, 16. On revient en arrière. Et on laisse le fil se prendre dans le pic 19. Voilà, on fait notre allée. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. On revient en arrière. J'ai été trop loin, donc quand c'est comme ça. Hop.
Et au lieu de le prendre dans le crochet numéro 25, on va prendre dans le crochet numéro 26. Voilà. Et là, on recommence les allées et venues. Sauf qu'au lieu de prendre le crochet 20, on prend 19. Et 26 de l'autre côté. Encore une fois, on tricote jusqu'à la longueur souhaitée. Il faut bien faire attention qu'on se prenne bien dans les bons crochets. Alors quand il se passe ça, juste on est en dessous. Parce que sinon vous allez faire deux augmentations de chaque côté au lieu d'une. Et donc vous le verrez à la fin déjà que les augmentations sont bien marquées. Donc si vous en faites deux, ça va faire un énorme escalier. Donc quand ça se prend dans un crochet qu'il ne faut pas, juste vous revenez en arrière et vous recommencez, c'est pas un problème. Voilà, en fait c'est vraiment tout simple, c'est comme à plat, sauf que on augmente à chaque fois. Donc bien sûr, on ne peut pas faire d'augmentation sur une bande où tous les crochets sont pris, parce que il n'y a plus de crochets disponibles, ça va arriver. Je vais refaire une augmentation pour bien vous faire voir. Donc là, on va prendre le crochet 18. Et de l'autre côté, le 27. Comme repère, pour que le fil soit bien tendu, attendez que ce soit passé dans l'encoche juste avant votre crochet. Ça va vous aider. Le 27. Et ensuite, encore une fois, des allées et venues.
donc vous faites ça jusqu'à la longueur souhaitée et avec le nombre d'augmentation souhaitée, ça dépend du projet. Et donc le résultat est visible. Donc, je ne sais pas si vous voyez correctement. Je vais enlever le projet pour vous faire voir. Donc après, vous clôturez normalement. Là, je ne vais pas clôturer parce que c'est juste pour vous faire voir. Donc je vais tourner dans le vide. Donc on a commencé avec 5 mailles, puis on a fait une augmentation de chaque côté, on a continué à tricoter, puis une dernière augmentation. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là au départ, on a 5 mailles. Puis ici, on voit clairement l'augmentation. C'est une espèce de V. On continue. Et là, on voit aussi la deuxième augmentation. Donc vous voyez, les augmentations sont vraiment très marquées. On voit surtout ici. Alors, vous inquiétez pas pour le fait que les bords soient pas vraiment nets, parce que c'est ce que fait le tricotin, c'est pas vraiment net. Mais de toute façon, à l'assemblage, on verra pas tout ça, donc c'est pas vraiment un souci. Donc, je suis désolée, le projet il roule, donc on voit pas très bien. Principe du jersey. Là, ici, on voit mieux comme ça. Donc voilà, vous savez faire des augmentations au tricotin géant semi-automatique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur la vidéo.